Bonjour, nous sommes au Sommet de la Transformation Durable et je reçois aujourd'hui Sylvie Méran-Ifra, directrice marketing d'Enerlys. Bonjour. Bonjour François. Alors, comment Enerlys participe à la décarbonation des bâtiments ? Enerlys est un opérateur global de transition énergétique et dans transition énergétique, il y a la décarbonation. Nous allons procéder à des audits énergétiques et des audits et des bilans carbone afin d'établir une stratégie énergétique et une stratégie de carbone. Puisque nous, notre motto et nos différentes études portent à la fois sur le kilowattheure et sur le CO2. D'accord. Une fois ces études établies, nous allons réaliser des travaux qui vont permettre de diminuer les consommations énergétiques qui ont un équivalent carbone. Mais nous allons aussi installer des panneaux photovoltaïques ou de la petite hydroélectricité ou de l'hydrogène, justement pour faire en sorte que les bâtiments vont utiliser ces sources d'énergie-là qui sont décarbonées. Alors, vous sortez un panel. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu de ces échanges ? Alors, ce panel portait sur les certifications et les labels. Et effectivement, tout l'enjeu était de dire, est-ce qu'un label contribue à la durabilité d'un bâtiment. Bien sûr, il y contribue parce qu'il est mis un jalon et différencie par rapport aux autres bâtiments. Il n'en reste pas moins que pour nous, chez nos clients, nous sommes très focus sur le kilowattheure au mètre carré et les émissions de CO2 au mètre carré. Donc nous sommes vraiment très focus et très concrets sur ces économies d'énergie et ces économies de CO2. Donc les labels finalement viennent un peu en second puisque nous on va être orienté par la réglementation qui est déjà assez claire, notamment décret tertiaire, décret BACS, tous les DPE. Grâce à elles, nous construisons des trajectoires et ces trajectoires nous servent pour vraiment réaliser des stratégies bas carbone de nos bâtiments. Merci pour votre intervention et bonne fin de journée. Merci.